Donc, parlons de la croissance de Google Glass. Donc, ça, c'est vraiment la lunette à la Star Trek qui est en train de probablement venir sur le marché. On verra, hein, avec un prix de 1 000 $ l'unité. Un prix du moins avancé potentiel de 1 000 $. Potentiel, on verra. C'est sûr qu'en canadien, ça va toujours être 200 $ de plus. Toujours. Toujours. Parce que le taux de change. Ben, il y a toutes les raisons d'être. En tout cas, mais c'est ça. Mais c'est loin le Canada. Ouais. Donc, mais bref. C'est sûr que c'est intéressant. Tu sais, on parle beaucoup de la réalité augmentée. C'est sûr que là, ça on va superposer finalement des informations numériques à ce qu'on regarde. Moi, je suis juste inquiet. Tu sais, on a entendu récemment une dame qui est tombée sur les lignes du métro en regardant supposément son cellulaire. Est-ce que Google Glass en voiture va nous surprendre avec une information, un email qui va nous cacher la vue ou... J'en ai aucune idée, honnêtement. Moi, je suis assez sceptique sur Google Glass, même si je trouve que c'est un très beau produit et que l'idée est là. Moi, je compare ça à l'oreillette Bluetooth. Ouais. En termes de look, le petit côté fashion va en prendre un coup à mes yeux, dans le sens où quand je vois quelqu'un dehors avec un oreillette Bluetooth, moi, je trouve ça toujours un peu bizarre. Ça a l'air d'un cyborg, hein? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Donc, puis toutes les images que j'ai vues jusqu'à maintenant des gens qui portent la Google Glass, on s'entend que ça fait assez weird. Parce que là, tu sais, on parle souvent du mot geek. Ouais. Mais là, on tombe finalement, on vient de régresser à nerd. Ah, vraiment? Le nerd, là, des années 80, là, tu sais. Donc, donc là, je sais pas. C'est sûr que, tu sais, on voit là, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que souvent, la critique qu'on a avec les téléphones intelligents, tu sais, le vu qu'on amène toujours notre téléphone, notre appareil photo, on peut faire des vidéos n'importe quand, on dirait que quand les gens en font, ils sont plus là avec nous. Exact. Tu sais, là, vous avez sûrement vu des gens prendre des photos de leurs assiettes dans les restaurants, puis on dirait qu'ils sont plus avec leur groupe. Donc, c'est sûr qu'avec Google Glass, on continue à les regarder. Ils savent pas qu'on est en train de prendre des photos où on se parle à nous-mêmes. C'est sûr que cette partie-là, la commande vocale, on peut passer pour quelqu'un qui est qui a un léger problème mental. Mais d'un autre côté aussi, même si on aurait pu avoir l'air de quelqu'un qui est pas, que son attention n'est pas concentrée sur ce qu'il est en train de faire, on va juste moins le percevoir, je pense. Donc, la personne à qui on parle, elle peut nous regarder dans les yeux. Ben, elle répondra pas. Ben, elle répondra pas. Donc, peut-être qu'elle est en train de faire autre chose, de tourner ou quoi que ce soit. Donc, j'avoue qu'il y a un petit côté un peu particulier qui vient avec ça aussi, là. Donc, au niveau de l'utilisation personnelle, si on va être seul dans une pièce, probablement on va être fasciné. Ouais. Mais là, toi, je pense, c'est ça, ton hésitation, c'est qu'est-ce que ça va être accepté socialement. Est-ce que la personne, elle va trouver ça assez joli pour mettre ça sur son visage puis se promener avec ça? Ben, l'idée, c'est que si toutes les gens portaient des lunettes, j'aurais pas de difficulté à le croire. Mais c'est pas tout le monde qui a des lunettes. Donc, en partant de là, je me dis qu'il y a des gens pour qui c'est plus ou moins d'intérêt à être obligé d'avoir constamment un support sur l'oreille, même s'il y a des trucs bien cool probablement à faire avec une Google Glass. Je suis pas persuadé. Je reste encore très sceptique. Mais ils disent quand même, où est-ce qu'il va y avoir peut-être plus de traction, c'est les gens qui ont les mains occupées finalement. Donc, en auto, et là, ça on va revenir encore avec le débat là, de la distraction au volant, mais quelqu'un qui va être en vélo, il va être capable de voir finalement des indications de GPS, où se rendre. Donc, il n'y a pas besoin d'installer un appareil de plus sur son vélo. Tu sais, souvent, moi, je fais de la moto avec de l'auto. Ça serait mieux, plus optimisé d'avoir un seul appareil. J'ai pas besoin d'avoir 8 GPS dans ma vie, là. Je peux en avoir juste un, puis d'amener ça avec moi, puis ça soit pas fixé sur le... Ouais, mais en contrepartie, si je prends exactement les mêmes exemples que ceux que tu donnes, la voiture, est-ce que j'ai réellement besoin de voir visuellement où je m'en vais par rapport à ma destination, ou est-ce que les indications sonores de mon GPS peuvent être suffisantes de me dire, ben, dans 500 mètres, tourne à droite, tourne à gauche, est-ce que ça va nécessiter vraiment ça? Même chose à vélo, peut-être que si finalement ce que j'ai, c'est plus à l'oreille, je branche mon écouteur, puis on est capable de me dire, ben, en passant... Pas l'oreillette, là. Non, pas l'oreillette, mais parce que peut-être un écouteur, parce qu'on voit beaucoup de gens à vélo qui portent souvent, qui ont souvent des écouteurs, qui écoutent de la musique. Donc, je sais pas si d'avoir toujours ça dans la figure, est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment séduire les gens. J'ai bien hâte. C'est sûr qu'il y a un beau buzz en ce moment autour du produit. Oui, mais ça reste que c'est un cosse, hein. C'est un gadget. Ouais. Mais c'est ça. Mais en gros, moi, je me dis toujours, faut que ça sorte. Faut que les gens l'aillent entre les mains. Ouais. Puis c'est le marché qui va juger. Clairement. Puis probablement, qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans va rester. Puis qu'est-ce qui est nul là-dedans va disparaître. Puis un prochain produit va...
Avec va des, ramasser ça. Tu vois, avec, je crois beaucoup plus en des produits intermédiaires, un peu comme la Pebble, par exemple, qui vient un peu faire le pont entre ces deux technologies-là, dans le sens où, bon, on ne va pas aussi loin qu'avec une Google Glass, mais l'idée de connecter un objet déjà là qui est un peu plus discret, qui est une montre, de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sans être obligé d'aller à l'intérieur de ma poche pour sortir. Donc, déjà, je sens qu'il y a une montée plus progressive un petit peu dans la façon dont c'est intégré dans ma vie quotidienne. Ouais. Donc, c'est à voir.